toute décision, faute de quoi, en fait, on serait dans une violation de texte. Et la violation de texte est régie, en fait, par l'article 165 de la Constitution, qui dit que toute personne qui méconnaît notre loi fondamentale peut être exposée au cas de haute trahison pour violation intentionnelle de la Constitution. Je ne cite que les articles, je ne prends pas position, mais il me semble important de... S'agissant donc de ce sujet sur la dissolution, mon collègue du Sénat et moi-même, nous lui avons rappelé la ratio legis de l'article 148. Il ne faut pas jeter des articles de la Constitution en pâture à des incompréhensions ou des malentendus. L'article 148 parle bien de dissolution de l'Assemblée nationale, mais dans des cas précis. Il y a des conditionnalités. Il faut qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et la